Pas tiens. Moi, la mère d'Ange Didier, j'ai organisé une messe dans une église de la place. J'ai même pas vu le bout de ton nez là-bas. Le 12, je pense que personne t'a vu, je sais pas où que tu étais. Tu te reproches quoi même? Tu te reproches quoi? C'est pas l'enfant de tout le monde. Ne me faites pas, je vais trop parler. Arrête de parler de mon fils. Arrête de faire des interviews avec le nom de mon enfant. Tu n'es pas mon enfant. Tu n'es qu'un ami de parcours. Aujourd'hui, chacun baigne dans le luxe. Il y a beaucoup de choses que je sais, je dis rien, pas parce que je suis bête. Je dis rien parce que j'observe, parce que Dieu va faire. Dieu va, il s'appelle le temps. Dieu va vous gérer. Mon fils est parti à 33 ans. Là où il devenait monsieur. C'est là où mon fils devenait, avait maintenant sa maturité même sur scène. Et vous qui êtes fait sur Facebook, là, à la fin, tout le monde est insulté, Didier Arafat. Dans ceux qui sont là, oui, tu as tué ton enfant. Moi, j'ai tué mon enfant à 33 ans pour faire quoi? C'est shawarma. Bon, de toute façon, Facebook, là, c'est pour les... Facebook, là, c'est pour tous ceux qui sont nuls, qui n'ont rien à faire. Moi, je n'ai jamais vu dans aucun pays où X insulte X sur Facebook. Quelqu'un, moi, j'ai perdu mon fils. Moi-même qui ai donné la vie à Arafat, là, qui nous a donné ce joyau. Vous n'êtes pas bien. Mais je vais vous laisser dans la main du Seigneur. Arrêtez, arrêtez vos bêtises. Laissez mon fils, il va se reposer. Oui, il est là. Si vous voulez savoir ce que c'est de perdre son enfant, donnez une overdose, même poison, à un de vos enfants. Et puis la personne va mourir. Vous allez voir ce que c'est de perdre son enfant. Vous allez voir ce que c'est quand on va prendre son enfant dans un casier. Aujourd'hui, tu vois ton enfant chaud. Demain, tu vois ton enfant avec de la glace. Vous savez ce que c'est? Moi, je vais devenir folle. Mais je ne vais pas devenir folle aussi. Parce que j'ai la prière. Mais vous n'allez pas. Un an après, pendant la mort de mon fils, vous allez vous mettre là en train de faire des débats sur lui comme si c'était un ballon de rugby. Ce n'est pas votre marionnette. Ce n'est pas votre marionnette. J'interdis ça au nom puissant de Jésus. Le premier jour, vous avez pillé la maison de mon enfant. Vous avez pillé la maison de mon enfant. Je vous demande, avant que je m'énerve, vous tous qui avez pris, même si c'est un bic de mon fils, ramenez-les. Mémé est là. Confessez-vous. Je suis là. Confessez-vous. On en a marre. Didier Arafat ici. Didier Arafat, vous le connaissez maintenant. Quand il avait besoin de votre amour, là, vous étiez où à la dernière minute? Vous étiez où? Bande d'ignares que vous soyez, bande d'immatures que vous soyez. C'est vous qui avez des révélations, c'est vous qui avez ceci, cela. Fermez vos gueules là. Voilà, il faut fermer ça. Trop de blabla dans le vide, il n'a pas besoin de ça. Il se repose. C'est parce que je veux qu'il se repose que j'ai fait fermer et mettre des grilles sur sa tombe.
Parce que n'importe qui venait prendre ses fesses, il a lavé ses fesses, il n'a pas lavé ses fesses, il vient s'asseoir sur la tombe de mon enfant, ma star, mon bébé. Vous voulez qu'on pète un câble? Moi, je suis une pèteuse de câble même. Au lieu de vous être, vous prenez votre, vous vous brossez pas, vous êtes là, DJ Arafat, 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 c'est quoi? Non, sauf. Non, sauf. Trop, c'est trop. De toute façon, Dieu est en train de vous confondre. Quand je disais à mon fils de son vivant, fais attention à tes amis. Ton sorcier n'est pas loin. Ton sorcier, c'est celui qui est avec toi. Ton sorcier, c'est ton ami. Ton sorcier, ça peut être ta femme. Ton sorcier, ça peut être ton voisin. Ton sorcier, c'est celui qui mange matin, midi, soir avec toi. Aïe, mon enfant là. Pourquoi il va mourir à 33 ans? Pourquoi un Jésus va mourir à 33 ans? Pourquoi? Même son père qui est mort, il est mort à 50 ans passé. Vous ne savez pas que quand vous êtes là, vous parlez de lui, là, moi, ça m'énerve. Et puis vous, ça vous attire la malchance. Où sont passées toutes les paires de lunettes de mon fils? Un Jésus mettait le blé, il portait du Balmain. Il portait Yves Saint Laurent. Toutes ces paires de lunettes, c'est des paires de lunettes de luxe. Mais maintenant, après sa mort, ses habits, ça sent bon. Il transpirait pas comme une espèce de facochère. Il sent bon. Parce que depuis la naissance, je l'arrosais avec des arômes, du parfum. Tous mes enfants d'ailleurs. Ceux qui m'ont insulté par rapport à ma fille Carla. Oh. Merci ma soeur Brigitte Bleu. Toi, tu connais affaire, là. Une fille qui est majeure. Moi, à 21 ans, j'étais mariée dans un foyer. Mais les mains noires qui sont sur ma fille, ces personnes qui sont en train de tirer les ficelles pour que ma fille, aujourd'hui, fasse une lettre contre moi, ils vont patauger dans leur propre sang au nom puissant de Jésus. Prenez le psaume 68. C'est le psaume le plus long que Dieu a fait. C'est le psaume qu'on adresse à ceux qui travaillent dans l'ombre. Ne pensez pas à vos vies. Tina, Tina. Moi, je vais attendre que mes enfants, je vais finir de prendre mes jolis seins à mettre dans leur bouche. Et puis, je vais les allaiter, je vais les soigner. Puis, maintenant, quand ils vont grandir, je vais les tuer. Aïe, quand même. Je me désaltère, je me drogue pas. Si je me droguais là, j'allais même pas être chanteuse. J'allais faire garde rapprochée parce que je suis strict. Mais vous les Ivoiriens, c'est vous qui êtes là. Vous envoyez vos venins là, vos salives qui sentent là pour m'insulter. Moi j'avance. Hein. La vidéo là, c'est pour dire arrêtez de parler de mon fils. Vous n'avez rien à dire, fermez vos cuits. Voilà. Fermez vos cuits. Vous m'essayez de compter les poils grisonnants qui sont dans vos culs là. Bande de profiteurs que vous avez été pour mon enfant. Il est en paix. Vous n'êtes plus le fardeau de mon enfant. Il est en paix. Là où il est, là. Il veille sur moi. Il veille sur ses enfants. Il veille sur sa grand-mère. Le matériel, c'est quoi? Tout c'est vous. Mais t'en manques de pub. Je n'ai qu'à voir encore une vidéo où vous parlez d'Ange Didier. Vous allez voir, je vais me mettre nu pour vous donner. Regardez-moi bien. Le vin est fini. Grand chef, le saisonnier. On le traite d'inconscient. On lui pète, il est impoli. Vanessa Pichon. Il est jaloux. Il aime trop clasher ses amis. Et pourtant, Ange Didier avait déjà tout compris au showbiz. Car c'est grâce à ses gains musicales que les autres se sont mis au travail. Et c'est ça qui a permis au coupé décalé d'avoir un niveau pas possible. Mais comme il était mal compris, il s'est créé beaucoup d'ennemis.
dit-on pas que le vrai bonheur on apprécie lorsqu'on a perdu. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire pleure son fils. DJ Arafat est mort. La légende ivoirienne du coupé à décalé s'est éteinte à l'âge de 33 ans. Duc de Paris. Je vous avais promis un concert au San Félix ou Pointe-Poigny.